Steve Gillot et Thierry Mottier sont allés questionner quelques habitants de Saxon au sujet du 7 août. Voyez plutôt leur réaction. Que signifie pour vous le 7 août? Ah ben ça doit être une pure tradition de Saxon, il me semble. Alors, je crois que c'est le... Il y a eu des incendies ce jour-là. Et puis ça devait être des wagons, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, des wagons de fruits, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Qu'est-ce que tu veux, les paysans, ils étaient aussi mal payés à l'époque. Hein? Sinon, à part ça, je crois que c'est tout ce que je sais. Bon, merci beaucoup. De rien, salut. Hein? Monsieur, que signifie pour vous le 7 août à Saxon? Eh bien voilà, moi je suis... Je m'appelle Gargamel, ce surnommé. Et puis je suis étranger. Je suis un bourgeois maintenant de Saxon, ça fait 20 ans que je suis bientôt à Saxon là. Et puis, avant j'étais à Lausanne. Et puis quand je suis venu habiter ici à Saxon, j'étais à la maison, maintenant j'ai un commerce. Quand je suis venu ici habiter à Saxon, j'ai attendu de dire le 7 août ici. Alors ici, il paraît que le 7 août c'est une grande fête. On fait le feu le soir et puis c'était à cause de 1954 c'est passé là. À cause des fruits de l'étranger, de l'Italie, emportés, passés par là. Alors, ça, il y a eu des wagons de gare qui sont à la gare ici, qui sont incendiés, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Voilà. Vous avez deux minutes? Oui. Que représente pour vous le 7 août? C'est la fête de Saxon. Oui. Par exemple, information pour nous? Oh, ben c'était certainement un problème, l'importation de fruits, en même temps que les fruits étrangers arrivaient, en même temps que les fruits valaisans. Il y avait un problème de vente. Donc les fruits valaisans restaient en stock, ils n'arrivaient pas à les vendre. Ils ont fait un peu mini-révolution pour faire parler de ce problème. Et puis après, ils ont pris des décisions politiques, je pense, pour essayer de fermer un peu les frontières quand les fruits frais du pays arrivaient à terme. Pour pas avoir la concurrence avec le marché étranger, pour essayer de régler le problème. Merci beaucoup. Ça doute. Ouh là là. La révolte paysanne. Ouais. T'as pas de plus ample information? Non, la révolte paysanne. C'est la fête, mais en 53. Oui. C'était quand les paysans sont révoltés, ils ont vidé les wagons. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont boycotté, c'était les fruits qui venaient depuis. Les fruits et légumes qui venaient depuis l'étranger, ils en avaient trop. Et les Saxonnais n'arrivaient pas à écouler les siens, non? Voilà. Et leurs, pardon. Bon. Ah bien, ça représente une manifestation contre. Parce qu'on ne pouvait pas vendre les fruits, quoi. Il y a eu des incendies, des wagons, des camions de fruits ont été versés, le canal. Et puis quoi, ça peut tout quoi. C'était des routes barrées, voilà. Des arbres coupés. Mais c'est parce qu'on ne pouvait pas vendre nos abricots, c'est pour bien ça. Bien sûr. Ouais. Et puis c'est toute la vie la même chose. Ça, depuis qu'on est né, c'est la même chose. Mais ça va pas. Ouais. Bon. Oui. Merci beaucoup. Et ils ont bien fait. J'étais de la partie. Ah. Merci. Ouais. Que représente pour vous le 7 août à Saxon? Mon Dieu, comment est-ce qu'il faut dire? Un peu la fête quand même. ce n'est pas une révolution? Oui, mais comme je ne suis pas une authentique saxonnaise, je m'abstiens sur la question là. par rapport aux autres années, les abricots se vendent bien? Oui, pour le moment, ils sont tellement jolis, on n'en a pas assez. Le choix de confiture que les gens aimeraient manque. On a du super premier choix. Au revoir. Bon, merci. Que représente pour vous le 7 août à Saxon? 7 août? Oui. Fête de la libération. Vous racontez un peu comment ça s'est passé? Oh. Ah oui. Hein. C'était comment? La bagarre. Oui. Vous êtes parti? Non. Je me suis retiré. Ah. Je m'en suis abonné les wagons, je me suis retiré. Hein. Ah. Ils ont brûlé quoi? Des wagons? Des wagons d'abricots, des wagons de chemin de fer. Il y a eu des routes barrées ou bien des... Barrées, oui.
Ah, bah dis donc, un grand jour, hein. Dis donc, c'est depuis là qu'on a commencé à pouvoir vendre nos abricots comme il faut. Oui. Hein? Enfin, cette année-là, hein. Mm-hmm. Oh, bah, moi, je trouve que c'était bonheur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu des incendies, des routes barrées? Oui, il y avait la route là, qui descend sur Martinique, qui était barrée, ils avaient mis un tronc d'arbre. Mm-hmm. Et puis, il y a eu un wagon, ils avaient mis le feu à un wagon. Mm-hmm. Ouais. Vous avez participé à cette... Bah, tu sais, moi, j'étais dans la boulangerie, hein, et puis, on avait déjà fort à faire. Hein, puis, ah, surtout, ce jour-là, il y avait du monde, plus personne ne pouvait sortir de Saxon. Uh-huh. D'un côté et de l'autre, c'était... Mais tu vois, on ne pouvait pas aller tous sur place, hein, tu vois comment, il y aurait eu trop de monde. Hein. Alors le 7 août à Saxon représente pour moi, en 1953, il y a eu la révolution paysanne. Et ils ont brûlé les wagons. Pourquoi cette manifestation? Pourquoi nous ne pouvions pas vendre nos produits, donc on faisait venir les produits d'étrangers et les nôtres restaient dans les frigos. Mm-hmm. Ah bah quoi, c'est une grande fête. Hein. Si on peut dire une fête, hein, si on peut dire une fête. Quelle année c'était déjà qu'on a voulu. En 52, on a voulu les wagons pour nous vendre les abricots. Ouais. On était des révolutionnaires de toute la Suisse. C'était une des premières fois qu'on faisait ça en Suisse. Quoi. Ça a débloqué le marché de l'abricot. Ça a débloqué un peu le marché d'abricot. Après, nous avons bien vendu les abricots. Seulement, ce n'est pas toujours des procédés. Hein. La résistance paysanne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pour moi, rien spécialement, mais pour les paysans en général, ils ont brûlé les wagons, ils sont défendus de revendiquer leurs droits simplement. Vous étiez de la partie? Donc, vous êtes à l'école de recrues. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très jeune, mais je m'en souviens. J'ai même été observatrice au moment où ça s'est pris en effusion. Oui. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Oui. Nous avons brûlé les wagons. Nous, vous étiez de la partie? Pas moi, j'étais toute jeune alors. Mais oui, j'ai vu bien des messieurs qui étaient là et qui faisaient ce geste. Et pourquoi? Pour... parce qu'on nous avait imposé les jours pour pouvoir ramasser les abricots. Un jour on avait droit, trois jours on n'avait plus droit. Mmh. Alors voilà, c'est pour ça. Mmh. Et puis pour maintenir le prix de l'abricot aussi. Que représente pour vous le 7 août 1953 à Saxon? Eh bien, il a fait ses preuves. Oui. Ça a soulagé bien le commerce des abricots. Oui. Il a fallu montrer une fois qu'on pouvait se permettre de crier. Mm-hmm. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Oui, bon. C'est sûr que c'est déjà vieux tout ça. Oui, bientôt 40 ans. Bon, il y avait... Là, il faisait très chaud, les abricots étaient mûrs, les marchands ne voulaient plus les prendre. Il fallait arrêter de cueillir, le paysan s'est fâché. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une importation de fruits étrangers? Il y avait trop de fruits, donc ils n'avaient pas fermé assez tôt l'importation. Mm-hmm. Chez les marchands, les frigos étaient pleins. Mm-hmm. Alors on ne peut pas en amener encore plus, il fallait arrêter de cueillir, les abricots tombaient, mûrissaient. Alors ils ont préparé sur la place de la gare une petite manifestation, mm-hmm. et puis ça a dégénéré. Hein. Mm-hmm. Ils sont allés occuper les rails. Mm-hmm. Et puis après, pour empêcher les deux trains de 5h30, il y avait mort, deux express à 5h30, alors ils ont pris les rails. Après, dans le feu de l'action, qui a fait, il y a des emballages qui ont pris feu, ça a goûté le feu aux wagons, mm-hmm. donc des wagons vides. Oui. Et puis, après sur la route, ils ont scié un arbre dans le parc, le casino, qui est revenu tomber sur la route. Uh-huh. Comme il y a une autre la tempête. Oui, d'accord. Oui. Bon, merci beaucoup. Alors les camions, ils ont arrêté un camion du lourd, qui apportait des bananes. Uh-huh. Alors ils sont entrés dans le camion, ils ont tout versé dans le petit canal, les bananes, les oranges. Uh-huh. Et puis après, bien sûr, ça a été... Il y a eu une perte de matériel. Ouais. Alors ça fait... Il y a eu une peine. Il y a le comité de la manifestation, ils ont été inculpés. Ouais. Moi, mon beau-frère, qui était conseiller communal à ce moment-là, bon, il savait que il fallait payer, il y a de la casse. Alors ce sont les autorités qui ont pris, disons, très peu, mais mm-hmm. ça a été. Alors ils ont su que c'était Saxon. Ouais. Ils étaient Saxon suisse, donc ils pouvaient piquer où c'était Saxon. Sur le chemin du bis,
un derrière l'autre. Ici, jusqu'au départ du bis, on peut marcher ensemble, mais après, un derrière l'autre. Inutile de courir, on arrivera tous en même temps ce soir. Thank you.
c'est les chevreuils. Ça, c'est quoi? C'est des traces. Ça, c'est du chevreuil aussi. Chevreuil, cerf. Puis on continue. Puis ça, humain. J'oserais. Ouais, à cheval. Allez maintenant où vous voulez, sur les becs là, la seule chose, il faut que vous nous voyez. D'accord ? Et quand que j'ai dit, vous vous mettez là. Ah ouais, parce que ça avait perdu la main, j'allais pas venir.
Attends, on va faire comme ça. Voilà. Ça vient. Tu vas chez la curée. Tu vas prendre le jus. Allez, allez. Ouais, on va purée. On va purée en premier. T'as raison. T'as un bruit machin. Je filme pas, je vous jure, je vais juste vous éclairer. Ah merci. 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 Y'a là, Bocal.
You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag pulled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that I dried upon some line that keeps you in the backwoods by the rivers of my memory, that keeps you where the gentle on my mind. Rhinestone cowboy, riding out on
Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh. Voilà. Des plats, des plats. Vous venez faire un peu de tour après. Hein. Il y a la purée pour ceux qui veulent. À la place des pâtes. Ah, moi j'ai la purée. Moi j'ai plus de pâtes. Des pâtes. Moi je prends des pâtes. Moi aussi. Des bonnes. Je prends des pâtes. Ah oui, merci. Je peux avoir des pâtes s'il vous plaît. Pouillot. Ouais. Attends, je t'appelle. Deux secondes. Mets-le la pierre là-bas. Allez, vous suivez Olivier. Olivier, j'ai envie de tirer. Tu vas aller, allez hop. Un par deux, ça réglera. Piquette. 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 Piquette.